Les gens, oui, j'ai porté casquette. J'ai porté casquette parce que vraiment, hein, je n'ai pas fait mes contours. Vous savez que contour là, c'est comme make-up des garçons. Nous, les garçons, là, c'est contour qui est notre make-up. Regardez, ça va pas. Ça gâte ma beauté. Donc demain, je vais aller faire mes contours. Actuellement, je suis dans les courses. Je suis en train d'emménager. Donc, je suis ici, je suis là-bas. Je fais beaucoup de choses à la fois. C'est dans ça là, les gens m'emmènent encore. Je viens vous expliquer 4 story time en 1. Parce que vraiment, j'ai vécu des choses 2 jours là. Non, c'est pas possible. C'est-à-dire que je sais pas, je vais commencer par où pour finir par où. Là, je suis en train de faire ma vidéo. Hein. Ils vont passer. Bon, ça, ce sont les gens de mon quartier. Ils vont passer, ils vont me regarder. André, ils m'ont jamais vu. S'il y a un quartier que je suis pressé de quitter, c'est ici là. S'il y a un quartier que je suis pressé de quitter, c'est ici. C'est ici, hein. C'est pas quelque part d'autre. C'est ici. J'ai dit, les chouris, je suis toujours la victime. Toujours je suis la victime. Quand je viens expliquer sur YouTube, on trouve que je parle trop. Pourtant, c'est les gens même. C'est les gens même qui me poussent à bout. Je vais vous expliquer. Vous-même, vous allez me dire si j'ai tort ou bien si j'ai raison. Il y a 3 histoires. C'est affaire de love. Une histoire, c'est affaire professionnelle. Je sais même pas, je vais commencer par quoi pour laisser quoi. Je commence par quoi pour laisser quoi. Ah. Hey, la bida de oeil. La bida de oeil. Générique. Coucou les chouris, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte comme un charme. Je vais super bien. Les chouris, avant de commencer la vidéo, je viens évidemment vous parler de TapTapSend, qui est une application d'envoi d'argent de l'Europe à l'Afrique. N'y a que les gens qui sont... Cookie! Excusez-moi, mon petit frère m'a fait peur. Cookie, tu joues avec mon boulot, hein? Tu joues avec mon bon boulot. Ça, c'est mon métier qui est là, hein? Je n'aime pas. Non, je n'aime pas, je n'aime pas, je n'aime pas. Je n'aime pas. Excusez-moi. Donc, je vous disais, TapTapSend, là. C'est une application d'envoi d'argent. Si par exemple, tu es en Europe, que tu veux envoyer l'argent en Afrique, tu payes que 2 € de frais d'envoi. Si tu es au Canada ou aux États-Unis, tu payes 0 $ de frais d'envoi. Mon code promo Choridou te donne 5 € gratuitement si tu es en Europe, 10 $ gratuitement si tu es au Canada ou aux États-Unis. Si tu décides d'envoyer l'argent, par exemple, il y a des pays où tu ne payes pas frais d'envoi comme, je ne sais plus, hein, c'est Togo, non. En tout cas, envoyer l'argent seulement. Et mon code promo Choridou. C'est ça. Aujourd'hui, là, je viens faire 4 chapitres. Vous allez me dire c'est lequel des chapitres qui vous a marqué le plus. Et pourquoi? Je vis les choses. Vous me voyez comme ça là. Mon carburant veut finir ou bien? Parce que je suis dans la voiture là, j'ai allumé carburant. Enfin, j'ai allumé climatiseur. André, je n'ai plus carburant. Je vais faire comment? Attends, c'est maintenant, j'augmente, j'ai chaud. Bon, ça ne va pas finir. J'ai dit, vous allez me dire. Premier chapitre, on va l'appeler Cruella. On va l'appeler Cruella. Cette personne-là. Ah, je t'ai vu. Je dis, tu es mon genre. Je t'ai vu, je dis, tu es mon genre. Moi-même, je prends mon téléphone pour te draguer. C'est-à-dire que moi-même, là, je prends mes armes et je monte au front. Moi-même, je me dis que, ok, aujourd'hui, là seulement, là, c'est vrai que je suis la star. Mais je dépose mes galons. Je prends mon écharpe de bagnon, mon écharpe de l'homme le plus beau de la télé. Je dépose et puis je monte sur le terrain. Moi-même, je m'en vais où tu es là. Pour dire que, ah, vraiment, tu es mon genre. J'ai décidé de faire ça. Mais ça demande beaucoup d'efforts. C'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie de vous à moi. C'est pas quelque chose de simple, c'est pas quelque chose de facile. Donc quand je décide de faire ça comme ça là, toi aussi, tu dois m'encourager dedans. C'est comme ça, c'est du donnant-donnant. En cause. Je t'invite. Je dis que, ah, est-ce qu'on pourra prendre un verre? Je devais être avec mon pote. Donc, je dis que, ah, je suis avec mon pote. Est-ce qu'on peut prendre verre? Cruella. Parce que tu es mon genre. C'est pour ça que je dis que verre. Je ne sais pas Cruella avec quoi. Je mets ici. Cruella met là-bas. Je mets là-bas. Cruella met ici. Ping-pong. Pong-ping. Ping-pong. Pong-ping. Cruella va me fatiguer. Donc, pour tester son esprit, je dis que bon, est-ce que tu es célibataire? C'est ce que j'ai dit. Déjà même, je lui ai dit, envoie-moi une de tes vidéos pour bien évaluer encore le produit, pour voir vraiment si c'est ce que j'avais vu là.
vraiment pour me rappeler du produit, quoi. Les Français disent pour avoir une réminiscence, de souvenir. Cruella m'envoie la vidéo. J'apprécie. Je dis que tu vois, ça c'est mon jamais qui est là. Voici la capture. Je lui dis, c'est mon genre que tu es mon jamais. C'est quand je dis que, ah, j'ai commencé à faire les choses de love de... Les choses de love de Tinder là. Pourtant, on parlait sur WhatsApp et j'ai commencé à faire les choses de love de Tinder pour dire que, ah, est-ce que je peux te kidnapper? Si tu veux, je te kidnappe. Je vais kidnapper ton cœur. Les choses de 1, 2, 3 love, non. Les choses de Badou. Les applications d'avant de love là. Badou, 1, 2, 3 love. MSN. Les choses de MSN pour dire que, oh, je vais te braquer ton cœur. Je vais te... C'est ça que je faisais. Je prends mon énergie, tout mon effort pour faire ça pour toi, Cruella. Tu dois suivre la cadence. Tu dois suivre le mouvement. Tu dois suivre la cadence. C'est comme ça qu'on fait. Cruella me dit, on verra, je ne sais pas quoi. Donc je dis, bon, tu es célibataire. Voici les messages. Hein. Ce que je raconte là, il n'y a pas de mensonge dedans. Cruella, si je m'en tape mes mains. Si je m'en tape mes mains. Je dis que, ah, tu es célibataire, tu es en couple. Ou bien... Cruella me dit, je suis célibataire. J'ai dit, ah, mais ça tombe bien et tout. Maintenant, je suis en train de te parler de mon affaire. Toi, tu m'as dit que, ah, mais et mon affaire là, que j'avais postulé à ton émission. J'ai dit, ah, Cruella. J'ai dit, ah, je savais même pas que tu avais participé. Et puis, je n'ai plus répondu. De toute façon, c'est pas moi qui gère ça. Il y a une équipe pour réceptionner les candidatures. Donc, si tu as envoyé ton inscription, ça, c'est vous. Pas mon affaire. Déjà, mais il y a beaucoup d'inscriptions. Donc, avec ou sans toi, on fait l'émission. Moi, je suis en train de te dire que tu es mon genre, Cruella, juste que je t'invite à dîner. Tu dis que non, mais j'avais postulé à ton émission. C'est comment? Attends, mon émission, là, c'est pour trouver l'amour. Elle dit, ah, oh, c'est ça que tu veux me faire? J'ai arrêté de répondre. J'ai dit, ah, je savais pas. Juste que j'ai dit, ah, ah. J'ai dit, ah, ah. Je savais pas que tu voulais participer, oh. J'ai dit, ha ha, tellement, j'étais dépassé. Les bras m'ont tombé. Dieu merci, quand je causais avec Cruella, je n'avais pas soulevé le verre. Sinon, le verre allait se casser. Les bras m'ont tombé. J'ai dit, ah, oh, faut m'excuser. Dans mon cœur, j'ai dit, faut m'excuser. La beauté. C'est moi qui suis venu, non? Faut m'excuser. Donc, je n'ai plus répondu. Quelques jours après, Cruella m'envoie un message. Ça va bien? Je réponds pas. Cruella m'envoie un message de joyeux anniversaire. Je réponds pas. Cruella m'appelle, je coupe. Même matin là. Cruella m'a appelé encore. J'ai coupé. Moi-même là, dragué. Dragué même. Je n'aime pas. C'est quelque chose qui m'énerve. Donc le jour où je décide de faire, même si tu veux me dire non à ma drague, il faut savoir comment me prendre pour me dire non. Moi, il dit que viens, on va dîner. Toi, tu dis que non, mais moi-même, je m'étais inscrite pour ton yéré. Tu t'étais inscrite pour quoi? Et puis, moi, il a causé à toi encore. Tu m'appelles même, c'est pourquoi même? Arrête de m'appeler. Si tu vois cette vidéo, arrête de m'appeler. Faut penser même que mon numéro là, c'est le numéro des impôts. Arrête. Dis-toi que mon numéro là, c'est pour les impôts. Arrête de me contacter. Je veux plus. Arrête. Y'a quoi? Je fais vidéo, y'a quoi? Restez dans la maison là-bas. C'est quoi? Vous êtes partout. Restez là-bas. Vous venez faire quoi ici? Excusez-moi, c'est mes cousins là, ils me fatiguent. Ah oui, avec moi c'est la dictature. Ah, je suis en train de faire vidéo ici. C'est si vous venez vous asseoir. Qui a fait rêve? Je peux pas. Oui. Je dis... Donc quand tu fais une vidéo là, ça ne soit pas à côté quoi. Mais je suis en train de faire une vidéo dans ma caisse. Mais un regret. Mais vous n'avez pas venu faire un grain alors que je suis en train de faire une story time qui me tient à cœur. Tu as monté les vitres, tu as mis le climatiseur en marche. On ne va pas nous entendre, t'inquiète pas. On parlera doucement. Hein? Je dois déménager. Oui, il faut partir. Je dois m'en aller. Tu nous fatigues aussi. Hein? Je dois déménager. J'en ai marre. Où est-ce que je vis sinon? Où est-ce? Donc... Voici le message de Cruella. Hein. Cruella m'écrit, je réponds pas. Cruella m'écrit, je réponds pas. Cruella m'écrit, je réponds pas. Je sais pas, je vais te dire quoi. Parce que c'est pas comme tu veux quand tu vois madame passer. C'est pas parce que vous riez les gens, on dirait que vous les avez jamais vus là. Oh. Tu me gonfles dans ce quartier là. Tu dois changer ton gaz. Dis ça, tu fais ma vidéo, tu me regardes pourquoi. Donc, Cruella,
Je sais pas pourquoi tu m'écris. Parce que quand je voulais, tu voulais pas. C'est pas où je veux pas, tu veux. C'est pas où je veux pas, là, tu veux. Moi-même, quand ça commence à trop monter, quand il te drague et puis tu fais trop genre, je me rappelle que je suis star. Je te dépose. Quand je te drague et puis tu fais trop. Je me rappelle un coup que je suis une vedette de ce pays. Je reprends mon trône et je mets sur ma tête. Je reprends ma couronne de Starmania. Et puis je dépose au milieu ici. Boum! Et puis je prends pour gratter mes pellicules. Je prends ma couronne de star là pour gratter mes pellicules. Donc arrête de m'appeler. Hein. C'est fini. C'est fini. Le train est passé. Faut rentrer chez toi. Le train est passé. Rentre. C'est fini. Oh. Tu vas plus me gagner. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Achouka. Achouka Goroli. Achou. Elle m'appelle pourquoi? Achouka. Deuxième histoire. On va l'appeler Mito. Cette personne de la deuxième histoire là. Chapitre 2 là. On va l'appeler Mito. J'ai connu Mito par une amie. J'ai connu Mito par une amie. J'étais avec mon ami. Mito est venu. Ils se connaissent pas bien, ils se connaissaient pas bien. Je pense que c'était pour parler de travail ou je sais pas quoi. Mito a commencé à causer avec toi. Mito a commencé à me servir causerie. Mito a commencé à me servir causerie. Donc moi je me suis dit ok, on va faire amitié de Josiane. On cause, on se connaît pas. Et puis chacun prend sa poudre. Dès qu'on pète. La poudre. Dès qu'on pète. Ok. On cause. Comme ma maman m'a bien éduqué. Malgré mon rang de star, d'animateur vedette, je parle avec tout le monde. En tout cas, si tu es l'ami de mon ami, que tu viens t'asseoir sur la table, je ne vais pas te snober. Ça s'appelle la courtoisie, le respect et l'éducation. Et c'est ça aussi que je dois diminuer. Parce que trop de courtoisie, on voit bavardage. Trop de courtoisie, on voit comment chemin. On a assis au Mito, tu viens. Toi-même à la base, même tu n'es pas mon genre. Mon genre même qui n'est pas mon genre là, c'est toi. Mon genre qui n'est pas mon genre, que mon genre là. C'est toi. Hein. Si tu vois cette partie, on cause, on cause. Mito demande mon numéro de téléphone. Je donne. Je passe le numéro. On se parle tranquillement sur WhatsApp. Quelque chose de très... En français, on dit que consensuel est. Comment tu vas? Ça va et toi? Je réponds même des heures plus tard. Tellement même. Moi, quand tu es mon genre, dès que tu écris, tu vas dire que je dors avec ton numéro. Moi, quand tu es mon genre, là, tu vas dire que je dors avec ton numéro dans ma tête. Dès que tu m'écris, je suis aux aguets, je réponds. Dès que tu m'écris, tu vas dire qu'on m'a bipé. Tu vas dire qu'il y a un bouton sur moi. Et puis, dès qu'on appuie sur le bouton, je réponds. Comme moi, tu as mon genre, c'est comme ça. Réponse que je réponds là. Ah non. Même quand je conduis, je me gare et je réponds. Ah oui. Je me gare et je réponds. Quand tu as mon genre, que tu as mon genre. Mais quand tu n'es pas mon genre, que je te réponds vite, pourquoi? Quand tu n'es pas mon genre, que je prends mon temps pour te répondre vite, vite, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Tu n'es pas mon genre, hein? Tu ne vas pas me donner poil 2. Peut-être même c'est toi-même qui allais me demander poil 3. Pourquoi? Donc, je répondais pas vite, je répondais pas vite. Je répondais un ton, un ton, un ton, un ton. Je répondais pic, 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 pic. Je répondais pic, 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 pic. Rien de... C'est, voilà quoi. Ah! Je suis couché. Oh. Je reçois un message dans mes DM Instagram là-bas. Un message d'un faux profil qui me dit que Kevin, telle personne raconte que vous êtes en contact et que tu n'arrêtes pas de draguer cette personne-là et tout. La personne met ça dans ses statuts, tout ça, tout ça. Ses statuts WhatsApp. Et le faux profil fait une capture du statut WhatsApp. Et puis, je lis votre Kevin Aubin. Il n'arrête pas de me draguer. J'ai dit, qui fait ça? La fille me dit, c'est un mytho, je suis l'une de ses amies et tout. Je dis, j'ai envie de chanter Shekina en même temps. J'avais envie de chanter Shekina en même temps. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia. Le feu est allumé. C'est comme ça que j'étais devenu message là. C'est comme ça que j'étais devenu message là. C'est comme ça que j'étais. Je sais que c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Attends, vous me connaissez.
Mon sein comme eau de Javel, ça mousse vite. Mon sein comme Javel, ça mousse vite. Ça mousse. C'est comme ça mon sang est. Vous me connaissez. Oh, j'ai pris mon téléphone. Parce que par message, Mito n'allait pas sentir. Il y a des palabres, on ne fait pas par écrit. Hein. Il y a des palabres, ça doit être face à face ou bien par téléphone. Que allô. Il y a des palabres, ça doit être le allô na allô. Les Anglais disent hello. Les Allemands disent allô. Quand j'ai pris mon téléphone comme ça, j'ai dit allô. Mito dit oui. Et dis-moi, il était dragué quand? Je comprends pas. Je dis mouf. Tu comprends pas quoi? Toi, tu te vas mettre un statut WhatsApp que moi je te drague et tu me bloques sur le statut pour pas que je voie. Mais c'est venu me trouver. Où j'étais là? C'est venu me trouver. Comme je suis l'enfant de Dieu, il n'aime pas quand on ment sur moi. Toujours quand on ment sur moi, ça vient me trouver. Il y avait une personne à Paris là-bas qui a menti sur moi dans la fête de draguer. Ça allait trouver mon petit frère. En France là-bas, mon petit frère m'a appelé pour me dire. Toujours ça vient me trouver. Oh. Quand vous mentez sur moi, quand je vous drague là, ça vient me trouver. Mais tu vas montrer la preuve des dragues que je t'ai fait là. Draguer que j'étais dragué là. Tu vas prouver si tu prouves pas. Si tu prouves pas. Tu me vois comme ça, j'ai des génies. Hein? Et je lui ai dit, parce que la fois où on s'est vu, Mito dit j'aime beaucoup tes vidéos YouTube. Je lui ai dit, tu connais mon personnage de YouTube, non? Parce que le Kevin que tu avais croisé là, c'est le Kevin. C'est le Kevin. De la haute, c'est le Kevin Stack. Oui, bonjour. Et toi? Oui, ça va. Ah oui, ça va et toi? Oui, mais moi je suis animateur et toi? Oui, oui, oh, moi j'adore. J'adore le pain perdu. Oh, j'adore la souris d'agneau. C'est Narabaya, Kevin Narabaya. Oui. Ça, c'est ce que tu. C'est la qualité de Kevin. Ça là, tu as croisé la première fois quand on s'est vu. Sinon, le Kevin de YouTube là, tu le connais pas. Hein? Tu me vois comme ça, j'ai beaucoup de facettes. J'ai Kevin animateur. Bonsoir, bébé. J'ai Kevin. Ah oui, ça va et tout. Et puis j'ai Kevin. Kevin Obé. Faut pas croiser Kevin Obé. Faut pas croiser Kevin Obé. Kevin Obé. Faut pas. Vous aimez bien réveiller Kevin Obé. En temps folie, va te prendre. Moi, j'étais dragué. Mito. Quand tu regardes ton format, tu quittes ici pour arriver à Danané là. Je t'ai dragué. Tu es comme ça. C'est même pas mon genre. Que maintenant, c'est les gens qui veulent me calomnier. Les gens veulent en fait justement t'énerver. Pour peut-être que tu m'insultes. Je dis, mais attends. Je dis, toi, tu prends mensonge pour faire l'hymne national quoi. Tu récites mensonge comme si tu es en train de réciter l'abidjanaise. C'est méchant. Bon, tu te vas mettre rumeur sur moi comme ça. Imagine si j'étais en couple. C'est pas mon foyer qui s'est renversé là. Mon foyer allait se renverser comme panier de crabes. C'est mon foyer qui partait comme ça. Mon foyer partait comme ça pour me laisser. Je voyais, j'allais regarder mon foyer parti comme ça. Mon foyer parti. Mais, tu vas me draguer, Mito. Je lui ai dit, drague-moi au téléphone là, drague-moi. C'est sur toi ça va rester. C'est toi qui vas me draguer. Tu me dragues pas, je fais vidéo sur toi, je mets ta photo. Il te dit, mais comment ça de te draguer? Je dis, tu me dragues maintenant même. Drague-moi. Là où je suis en train de te parler, tu me dragues. Je te donne l'ordre de me draguer. C'est pas à discuter. Parce que tu peux pas te lever comme ça pour aller borgovili sur moi. Je suis couché ici. Aïe, Bogo, pourquoi? Je suis couché dans mon yopour ici. Toi, tu n'écris pas vers un gréchu. Et puis, tu mens sur moi. Ah non, non. Ah non. Tu vas me draguer. Drague. J'étais là, j'écoutais. Oui, Kevin, j'aime bien ton visage. J'ai dit ensuite. Ah oui, je me connais ça. Je dis ensuite. T'as de la conversation. Mais si, ensuite. Oh, t'es talentueux. Ça, que bon. Je sais plus quoi dire. Je dis, tu vas dire. Hein. Tu vas dire. Dragué, tu as menti que j'étais dragué là. C'est que j'allais te dire pour te draguer là. Faut tout me dire. Que oui, bon. J'adore ton phrasé. Et puis bon. J'ai coupé. Je l'ai loupé. Aïe. On peut se lever comme ça pour moi. Je le go. Sans remords. Ça c'est quoi ça? On peut se lever comme ça pour mentir sur quelqu'un gratuitement.
qui a fait rêve. Tu dis que tu dois me mentir sur mon coup, hein. Ah non. Ah non, 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 je dis non. J'ai vécu des choses deux jours là. Ça m'est gratte. Oh, ah. La pellicule, maman. La pellicule. Le mois dernier, non, le mois surpassé, je pense qu'il y a deux mois, j'étais là, ça va? Lui là, c'est un voisin que j'aime saluer, il est poli, c'est l'enfant du voisin qui est juste là, il est poli, il est gentil, l'ami de Cookie, lui seulement j'aime bien le saluer, il est bien poli. Bref, le mois dernier, le mois surpassé, en mai, il y a mon ami qui me dit que, ah, il y a une fille là. Elle veut ton numéro, c'est pour présenter un événement. Je dis vraiment, moi, je n'ai jamais présenté. Je n'ai jamais présenté d'événement. Présenter événement où tu t'en vas prendre micro pour parler, pour dire que, mesdames, messieurs, bienvenue à tel événement. Ça, là, je n'ai jamais fait. Je ne moyen pas. Moi, ce que je maîtrise, ce que je sais attraper dedans, c'est télé. Quand je regarde la caméra comme ça, je prends la caméra, je la dompte. Je prends la caméra, je regarde la caméra. Tu as dit que je veux passer la bague au doigt à la caméra. Mais les choses d'événement où tu t'en vas présenter un colloque ou bien les gens font fête de université et puis c'est toi qui t'en vas être le MC, le... ça là je moyen pas, je n'ai jamais fait. Je suis pas sûr que je moyen. Il dit, ah, moi-même je lui ai dit ça, oh, mais elle dit qu'elle insiste, elle veut vraiment ton numéro. Je dis, ok, donne mon numéro à la fille. La fille m'envoie un message. Elle me dit que oui, c'est pour présenter un événement où il y aura des startups et puis vraiment leur profil. Voilà, c'est des jeunes et tout, la start-up aussi. Et puis moi-même, comme je suis jeune, en tout cas, elle a pris plume de poulet pour caresser mes oreilles. Elle a pris plume de poulet pour tourner dans mes oreilles, pour me chigui, 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 chigui. Je dis, ça là vraiment, je suis pas sûr. Elle dit, non, tu peux, franchement, nous c'est toi, on veut. Vraiment, vraiment, la fille là, c'est Maya l'abeille. C'est Maya l'abeille, tellement sa bouche est sucrée. Je dis que, ah, ok. Elle me dit, je pense que même, voilà, le cachet va te plaire. Elle me dit, le cachet, me connaissez, j'aime poi. Surtout que je suis en train de prendre, d'aménager. Vous connaissez aménagement? C'est pas déménagement, c'est aménagement. Ça veut dire que je dois tout payer pour mettre dans l'appartement. Bon, j'ai fini de payer même. Je me suis dit que bon, comme je dois aménager tout ça, ça peut tomber à pic. Je dis ok. Elle me dit le sponsor bien quoi là, c'est telle compagnie de téléphonie. Je dis cette compagnie de téléphonie là, je veux pas. Moi c'est Orange Côte d'Ivoire. Moi là, je veux même pas travailler avec. C'est vendu jamais. Moi seulement là, moi c'est Orange Côte d'Ivoire. C'est ça. Depuis 2021, je bosse avec Orange et j'en suis fier. C'est à dire que ils sont cool, ils sont réglo, ils sont moi, en tout cas, Orange Côte d'Ivoire, je n'ai jamais entendu quelqu'un qui a travaillé avec Orange, un influenceur qui a travaillé avec Orange, et puis il y a eu bavada, jamais. Ils sont réglo, ils sont bien, ils sont... C'est Orange Côte d'Ivoire, quoi. Donc, je lui ai dit, ma chérie, moi, en tout cas, c'est Orange Côte d'Ivoire. Elle me dit, non, que la compagnie, là, c'est pas la compagnie qui décide, hein, c'est eux. Que la compagnie est juste, je sais pas quoi. Je dis, ok, si moi, je suis pas lié à la compagnie, ça me va. Elle dit, non, tu n'as aucun lien avec la compagnie et tout, enfin... C'est pas la compagnie qui décide, c'est nous, on te choisit en fait. Je pense que la compagnie est juste, je sais pas quoi. Bref, vu qu'elle dit que c'est un événement de start-up. Donc, moi, quand j'entends start-up, c'est pas une compagnie de téléphonie, on dit start-up, plusieurs start-up, et je viens présenter. Je dis ok, donc j'accepte. Elle me dit, elle veut mon CV. Y a pas quelqu'un, y a pas une marque avec qui j'ai travaillé qui m'a demandé mon CV. Ou bien partenariat où on m'a demandé mon CV. J'ai dit mon CV. Elle dit oui. Voici le message, hein. Elle dit oui. Mon CV, est-ce que c'est pour m'embaucher quelque part? Moi, je travaille déjà, je suis à ma chaîne de télé. Je dis que CV, pourquoi on fait des gros bois? À cause d'un événement, il est venu présenter là, vous voulez mon CV? Et si c'était pour m'embaucher maintenant? Si c'était pour m'embaucher, oh, peut-être que vous alliez demander les numéros de tous mes directeurs d'école, de CP1 jusqu'en master là. Je viens présenter événement CV. Si ma chaîne de télé me demande mon CV, je comprends. Mais vous, événement, il vient prendre un seul événement, vous demandez mon CV, pourquoi? J'ai dit non, vraiment. Et puis, je devais refaire mon CV. J'avais la flemme. Donc, je ne répondais plus. La fille, elle m'appelle. Ah, la fille, elle me roule. Elle me roule. Elle m'appelle. Elle me colle. Elle me roule.
Elle m'appelle. Appeler quand on dit on appelle quelqu'un. C'est ça la fille, elle m'a montré. Je décroche pas. Quand je décroche pas, elle me laisse note vocale. Elle me laisse message. Je dis, hé, la fille, elle veut que je présente son événement. La fille, elle veut que moi, je présente son événement. Je dis, bon, il n'y a pas de souci. Je vais faire le CV. C'est à Loïc même. Je dis, fais mon CV. Loïc est en train de faire montage là. Il peut témoigner. Je dis, Loïc, fais mon CV. Il dit, c'est pourquoi? Je dis, non, je dois présenter un événement, tout ça. Loïc dit, ah, mais pourquoi il te demande CV? Je dis, ah, bon, je sais pas. Oh. Peut-être que c'est une nouveauté. Peut-être que quand tu présentes événement, tu demandes CV. Moi, il n'a jamais présenté événement. Donc, je sais pas. Loïc fait mon CV. Il m'envoie. J'envoie à la fille. Elle me dit, ok, elle pense que c'est bon. Deux jours plus tard, je l'appelle. Je dis, ma chérie, est-ce que c'est confirmé que c'est moi qui vais présenter l'événement? Parce que je veux savoir. Parce que vous me connaissez, je voulais payer mes habits. J'ai payé même. Je comptais payer habits, aller faire ma manicure, ma pédicure, aller me faire soin des visages. Hey, c'était le premier événement que j'allais présenter. Je dis que bon, je vais me faire. Je vais me faire comme je sais me faire. Elle dit non, t'inquiète, c'est acté, c'est toi. Aïe. C'est toi qui vas présenter tout, c'est bon. L'événement là, c'était le 19 juillet 2024. J'ai appelé un styliste. Je dis que bon, pour le 19 juillet, voici comment tu dois m'habiller. C'est un événement, je présente un événement où il y aura des startups et tout. Il y aura une cohorte de startups. Donc voilà. Le styliste me dit, ok, on va partir sur ça, on va partir sur ça. Je dis, ok. Ah. Et quand j'explique ça là même, j'ai envie d'enlever mon chapeau. Je veux enlever même si je n'ai pas fait mes contours, même si mes cheveux sont ignorants. Parce que ça, là, son moment là, je... Attendez, je vais demander de l'eau. J'ai dit, donnez-moi de l'eau. De l'eau à boire. Cookie. De l'eau. Mon travail là n'est pas facile. Oh. De l'eau, pardon. Quand je pense à ça, j'ai soif un coup. Mon travail là n'est pas facile. Ah! Un travail avec beaucoup d'émotions. Je suis couché. Il y en soit. Ah! Je suis couché, oh! Je reçois un message. Quand c'est ça, elle m'appelle pas. Hein. Elle m'appelait ici comme si c'était son gars. Elle m'appelait comme si j'ai dit que je vais faire sa dot. Et puis, je ne suis pas venu. Comme si je lui ai dit, ma chérie, je vais te doter. Et puis, le jour de la dot, je ne suis pas venu. La fille m'appelait. Maintenant, quand c'est pour m'annoncer une nouvelle, bête, elle écrit. Voici le message. Coucou Kevin, du coup, on a présenté ton CV à telle compagnie téléphonique. Le directeur a refusé. J'ai dit, mais ma chérie. J'ai répondu en note vocale pour dire, mais tu parles de quoi? Si tu m'avais dit que c'était une compagnie de téléphonie qui prenait la décision pour que je travaille ce jour-là, j'allais te dire non. Je n'allais même pas perdre mon temps à causer avec toi. À plus forte raison, fais un CV. Parce que le jour que tu m'as appelé, je t'ai dit, oh, moi je travaille avec Orange Côte d'Ivoire. Et tant bien même que je ne travaillerai pas, je n'ai pas CDI avec Orange. Hein. Je travaille avec Orange de façon sporadique. Orange même, depuis combien de mois? C'est maintenant même on a repris. Donc, mais j'ai toujours été fidèle à Orange. Quand une compagnie m'approche, je dis non. Moi là, il travaille Orange. Orange ne m'a jamais forcé, c'est moi-même. Je veux, parce que j'aime bien cette compagnie-là. Donc je lui ai dit, ma chérie, je t'avais dit que si ce n'est pas Orange Côte d'Ivoire, je ne veux pas. Tu m'as dit non, la compagnie de téléphonie n'a rien à voir, que c'est vous qui décidez. Pour l'eau là, tu vas boire d'abord. Je vais trop les choses, mon petit frère. On me fait trop souffrir. Pour laisser. Pour glacer ton cœur, hein. Oh. C'est bon. Merci d'être venu à Abidjan. Ma chérie, tu vois comment tu me fais. Ma voiture dit quoi? Tu vois comment tu me fais. Donc j'ai dit que ma chérie, c'est pas ce que tu m'avais dit. J'ai commandé là. Parce que j'ai commandé mes habits. 5 jours avant l'événement, je suis allé faire ma manicure, ma pédicure. J'ai commandé mes chouateries. Finalement, tu viens me dire que on dit que c'est rentré ici, c'est sorti là-bas, c'est les momies, les lotos, les zouzois. En tout cas, ça m'a pas plu du tout. Du tout. Et je voulais pas, à la base là, je voulais pas faire
je ne voulais pas faire. J'aurais dû m'écouter moi-même. Parce que je ne voulais pas faire. Je ne voulais pas faire. Je ne voulais pas. Elle m'a bien eu. Elle m'a très très bien eu. C'est CV même, il est fait pour lui envoyer là qui m'énerve. En tant que. Genre, eux sont qui même. Puis moi, je dois faire CV pour eux. C'est ça même qui m'énerve même. Elle m'a eu, hein. Elle m'a eu. Mais bon, on dit que l'homme propose, Dieu dispose. Après, elle écrit des messages pour dire que je sais pas, je m'excuse, je sais pas quoi. Je n'ai plus répondu, je vois, c'est ça. Je l'ai laissé en vue très vite. Je l'ai très vite laissé en vue. Prochain. Dernière histoire. Tu as quitté à Paris. Tu es venu. Toi et moi, on n'a jamais été en couple. Mais à Paris, là-bas, on faisait un peu de mlamla. On faisait mlamlali, mlamlalo. Tu es venu. Tu dis, on n'a qu'à se voir. Tu m'envoies des messages en mode, oui, je suis à Abidjan. On doit se voir. On doit se parler. Parce que on doit voir, toi et moi, si quelque chose peut se passer. Si on peut faire quelque chose. Genre, si on peut faire foyer. Moi-même, je suis là, je cherche foyer. Donc je dis pourquoi pas. Peut-être même c'est toi qui es ma cote. Pourquoi pas. Donc je t'ai dit, on va l'appeler comment? On va l'appeler Passerelle. Je dis à Passerelle, ok, il n'y a pas de souci. Quand tu es à Abidjan, tu me dis. Passerelle arrive. Donc je vais remettre ma casquette. Passerelle revient. Tu es revenu. Tu as pris ta résidence. Tu dis que tu veux me parler de venir te voir. J'arrive. On s'assoit dès qu'on commence à causer. Parce qu'elle commence à me parler de son ex. Que oui, il faisait ça, il faisait ci. Je comprends pas et tout. J'étais là, j'écoutais. Vu que Pascal m'avait donné champagne. Moi, si tu me donnes champagne là, tu peux même parler de tes grands-parents. Hein? Tu peux me dire comment tes grands-parents ont accouché tes parents. J'écoute. Tant que tu me donnes du champagne, j'écoute. Je vais jamais dire que je t'écoute pas. Quoi. J'écoute. Quand j'étais là, j'écoutais. Ça ne me plaisait pas, mais j'avais mon champagne. C'était du Nicolas Feuillat au plus. Donc j'écoutais. J'écoute. Là, j'ai placé en même temps. Je sais faire pâté Maria. Je sais faire pâté Maria. Donc j'écoute. Ah, à un moment donné, tu ouvres ton ordinateur. C'est toi et puis ton ex. Là, j'ai dit à Passerelle, j'ai dit, mais pourquoi c'est ton ex qui est sur ton ordinateur? Que non, il y a longtemps que j'ai mis ça, donc je n'ai jamais enlevé. J'ai dit, c'est pour ça que tu m'as envoyé ici. Toi, tu n'as pas ex que moi. Hein. Passerelle, je l'ai regardé dans ses yeux, j'ai dit, tu n'as pas ex que moi. Si chacun veut parler de ses ex-là, si moi je commence, toi, tu vas devenir somnambule. Tellement tu ne vas pas dormir. Tu auras sommeil juste quand tu vas devenir somnambule. Faut laisser. Je viens te voir, oh. Tu dis que toi et moi, peut-être qu'on peut créer quelque chose. Je dis pourquoi pas. J'arrive, tu me parles de ton ex pendant 2 heures de temps. Je dis rien. Tu ouvres ton ordinateur, c'est toi et puis ton ex encore. Hein? Ouais, c'est l'enfant de quelqu'un. Hein? Il était fort comme tu as jamais fait ça. Je dis non, c'est pas normal. Tu te fous de moi. Passerelle dit non, mais attends, j'enlève la photo. Je dis enlève. Donc quand Passerelle a enlevé la photo, ça a glacé mon cœur. Je dis que... que Passerelle même est vraiment intéressée par moi. On a assis, oh. On dit, on a faim. Tu dis, tu vas commander à manger. Passerelle dit, ah, je vais commander à manger. Je vais commander vietnamien. Je dis, mais pourquoi tu commandes vietnamien? Je vous jure que c'est vrai. Je dis, pourquoi tu commandes vietnamien? Tu viens de me dire que ton ex est vietnamien, non? À Abidjan, ici, là. Vietnamien, comment? Tu as laissé ton ex vietnamien à Paris, là-bas. Et puis tu viens me dire qu'on est à Abidjan. Cocodis centre. Toi et moi, on doit manger vietnamien. Pourquoi? Je dis, Passerelle, je n'aime pas, hein. Je fais du contenu YouTube. Bah oui, justement. J'ai une voiture. J'espère que tu as retiré mon argent. Faut retirer, pardon. C'est pour donner à... C'est pour payer le reste de mes meubles. S'il te plaît. Elle est drôle, cette Noura là. Bref. Donc, j'ai dit ton ex est vietnamien. On vient de parler d'affaires d'ex là. En même temps, tu commandes vietnamien pour qu'on mange. Donc moi, je vais commander nourriture baoulée alors. Parce que mon ex est baoulée. On va manger baoulée. C'est quoi ça? Je n'ai pas du tout aimé. Donc finalement, on a commandé KFC. On commande KFC, on commence à manger. Yessa, pas que je suis venu aujourd'hui, on s'en va laver la maison. Moi, c'est Lily. Parce que les meufs viennent. Moi, c'est moi qui viens aujourd'hui. Les meufs viennent demain. Quoi? Moi, c'est Lily. Ouais.
paye, il vient demain à 10h. Si la maison est sale, ça ne fait pas. Voici le CV de Lily. Lily ne peut pas monter parce qu'elle n'a pas laissé ça dedans. Ah, ok. Elle, elle veut. Où est son CV? Mets ton CV, la montre-nous la licence dans le CV. Là, là même. Je vais aller laver mon appart. Bref. Donc, on mange le KFC, on mange le KFC. On commence à se murmurer, Je vois dans les yeux de Passerelle que Passerelle est en train de penser à, son Vietnamien. Je vois même le Vietnam dans ses yeux. Je suis en train d'embrasser Passerelle. Je vois le Vietnam dans ses yeux. Il dit non, ça va pas faire. Et puis tu sais quoi, je vais aller à la maison. Passerelle, si tu sais que tu n'as pas oublié ton ex là, mamie, fallait pas m'appeler. Fallait pas m'appeler. C'était pas forcé. Fallait pas m'appeler. Que non, attends, je peux t'expliquer. Mais vous me connaissez, oh, j'ai qui a quand même. Je suis pas parti, hein. J'étais déjà arrivé, les chouris. J'étais déjà là-bas. J'ai Kiaba, Kiabali la même. Passerelle faisait ça même. On dirait on est au Vietnam. On peut penser à. C'était hier. Mais en tout cas, on a fait. Voilà ce que j'ai vécu en ces 4 jours. Les chouris, c'était particulier. Voilà, chouris, c'est la fin de la vidéo. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo d'ici là. Portez-vous bien. Je vous fais plein de bisous. Et puis, dites-moi en commentaire des 4 histoires, c'est laquelle qui vous a le plus marqué. Bisous les chouris.